Bonjour les amis, on se retrouve pour le retour de course de la semaine. Nous sommes encore en vacances et je vous montre tout de suite ce qu'on a pris. Alors, un pack de lait de la marque Délice. Il n'y avait plus Eco Plus. Ah, t'as pas regardé. C'est pas grave. Donc, c'est pas moi qui ai choisi les coursins. Voilà, donc je vous montre ce qu'on a pris. Il y avait peut-être du Eco Plus, mais on a pris marque repère Délice. C'est pas moi qui choisis les... Ensuite, on a pris, oula, ils sont froids, deux paquets de jambon, quatre tranches. Donc ça, ça sera pour les sandwichs. Voilà, si on veut aller manger sur la plage, on pourra se faire des sandwichs à emporter. Voilà, donc deux paquets de quatre tranches. Ah oui, ça c'est la poche de frais. Attends, regarde, Mylène, ne bouge pas. Des liégeois au chocolat, comme ceci, de la marque Délice. Et il y en a 12. Des Actimel à la fraise. Et il y en a 12 aussi. Voilà, comme ceci. Ça, c'est un format pratique, même à emporter. C'est super pratique. Voilà, madame. Pour les sandwichs, il nous fallait du pain de mie. Alors, on a pris du blanc sans croûte. Je ne me trompe pas, ce n'est pas sans tranche, c'est sans croûte. Comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est plus pour Heidi qui préfère le blanc sans croûte. Voilà. Et après, on a pris du pain de mie complet. Comme ceci, pareil, sans croûte. Et là, je crois qu'il n'y avait plus marque repère. Donc, on a pris le Harris. Voilà, voilà. Et il y a 20 tranches. Pour le petit-déj, on a pris des briochettes comme ceci, marque repère. Il y en a 12 à l'intérieur. Alors là, on a pris que des formats 12, quoi. Chaque fois, c'est x12. Voilà, des briochettes comme ceci. Pour les pique-niques, on a repris des chips. Donc, c'est goût oignon. Ça, c'est des tuiles. Il n'y avait plus marque repère. Donc, on a pris des Monster Munch. Oui, parce que c'est un drive. Hein, donc, on n'avait pas trop, on n'avait pas tout le choix du magasin. Voilà, et cela, c'est Monster Munch crème oignon. Des tuiles. Et on a pris des tuiles classiques, voilà, comme ceci, original. Voilà, donc ça sera plus pour les pique-niques. Et le grignotage, voilà. Et un gâteau, ah oui, c'est des pépitos comme ça. Je croyais que c'était les pépitos classiques ronds. D'accord. Donc ça, c'est ma grande, elle voulait des pépitos. Donc j'ai pris ça ben, pour tout le monde en fait, hein. C'est des, comme ceci, des pépitos au chocolat au lait. C'est fourré au chocolat au lait. Voilà, et on a pris deux paquets. Comme ça, et c'est du x10. Il y a 10 biscuits dans chaque paquet. Ensuite, une sauce bolognaise Turini. Donc ça, c'est un gros format. C'est pour manger ben, avec les pâtes ou le riz. Donc ça, c'est combien de grammes? C'est un gros pot. C'est 680. Yes, bon, très bonne mémoire. 680 grammes de sauce bolognaise. Ça, c'est moi, ça. Ouais. Mylène s'est pris des gâteaux sans gluten.
comme ceci, des petits cacas. Voilà, c'est au chocolat. Oui. Ouais, pépites de chocolat. Comme ceci, marque repère. Oui, j'ai vu, ils font une gamme comme ça. Les paquets sont gris. Ils font une gamme, Leclerc, de sans gluten. Ouais. Voilà. Un jus d'ananas. Alors ça, c'est spécialement pour boire avec du Malibu pour les petits apéros. Voilà, et celui-là est très bon, vraiment très bon. Voilà, donc Malibu ananas, c'est la base. Quand on se fait des apéros. Et ensuite, en fruits, on a pris des bananes. Alors, tu les as... non, tu les as pas choisies. Non. Du coup, en fait, elles sont bien vertes. Ouais. Tu les aimes comment, toi? Vertes ou... Non, non. Jaunes? Oui. J'attends que ça... Oui, voilà. Alors, au drive, évidemment, on ne choisit pas ces fruits. Les bananes sont vertes. Donc, elles vont mûrir. Elles sont gelées même. Elles sont froides. Elles étaient dans un frigo. Du coup, ben, faut les laisser dehors et puis attendre qu'elles mûrissent, quoi. Elles sont très vertes. Et ensuite, on a pris deux paquets de tomates cerises de la marque Eco Plus. Ils en avaient au drive. Et voilà, et il y a combien? 200 grammes. Comme ceci. Voilà, pour grignoter, manger pour les pique-niques, apéro. Voilà. Deux paquets de tomates cerises. C'est bon, on a fait le tour? Je précise que j'ai quand même des trucs d'avance, sinon ils vont se dire, mais on ne va pas manger que ça. Ah oui, oui, oui. Oui, sachant que nous sommes chez mon amie Mylène et qu'elle a des choses dans les placards, voilà. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai ramené des pâtes parce que j'ai plein de pâtes à la maison et Mylène a du riz et on a d'autres choses évidemment en boisson, voilà, choses comme ça. On a d'autres choses et il n'y a pas de souci. Voilà, on va manquer de rien. Il nous fallait surtout pour faire des pique-niques, voilà, pour bouger et avoir à manger sur nous. Donc, voilà. Voilà, les amis. J'espère que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.